Alors notre plus grande motivation pour le Flyaway Festival, c'était probablement pas le fait que ce soit des vacances gratuites, certainement pas, ni le fait que c'était un festival en Corse, avec la plage, les cocktails, etc. Ça ne faisait vraiment pas partie de nos motivations. Donc nous non, c'est vraiment le fait d'aller jouer 40 minutes en Corse, c'est vraiment ce qui a fait la différence, quoi. Ouais. Alors on avait surtout eu la chance de participer aux Ardentes et à Dour, la première année où on avait commencé le groupe, puisqu'on avait participé aux deux tremplins. Et donc c'était une expérience assez incroyable pour nous de jouer à ces deux festivals alors qu'on n'avait aucune expérience de live. Donc les Ardents, c'était notre quatrième concert et on se retrouve sur la scène du HF6, totalement surréaliste pour nous, super stressant. Et donc ouais, ça c'est un peu pour l'instant les deux gros souvenirs, c'était d'avoir enchaîné Dour et les Ardentes cet été-là. C'est assez génial, quoi. Le Flyaway, évidemment, on trouve que c'est un concept assez créatif, assez novateur, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup de festivals qui font ça. Et puis surtout, évidemment, le pouvoir mélanger le côté potes Belgique, mais dans un autre pays, c'est aussi assez cool. On va se retrouver avec pas mal de gens avec qui on a pas mal de trucs en commun, et puis aussi des gens qu'on connaît déjà. Et que, voilà, se voir dans un autre domaine que le Botanique ou la Baie ou d'autres salles belges, c'est cool de se voir un peu à l'étranger, de faire la fête là-bas aussi. Même si y a quelques compliments qu'on peut recevoir de temps en temps qui sont vraiment de ce genre et assez flatteurs, on est conscient que ça reste le tout début, qu'on a plein de choses à prouver et plein de travail à fournir pour vraiment arriver là où on aimerait être. Donc voilà, on est toujours très content d'entendre ce genre de beaux compliments, mais ça ne nous fait pas non plus trop rêver ou garde bien les pieds sur terre, quoi.